Hello, hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plutôt sympa. C'est parce que j'ai fait un test sur les vernis permanents. Alors vous allez me dire comment j'ai découvert ça. Eh bien, tout simplement en me baladant sur le site 3D Coiffure, et voilà, j'ai vu qu'il y avait des vernis à ongles qui tenaient 15 jours. Donc, forcément, curiosité féminine, bonjour! Je me suis mis à, comment dire, à vouloir tester. Donc j'ai testé, je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite regarder ce que j'ai fait. C'est parti! Alors forcément, la première étape, ça va être se limer les ongles de façon à les faire tous plus ou moins de la même taille. Alors je dis bien plus ou moins parce que moi j'ai toujours un problème, je sais pas vous, mais des fois j'ai un ongle qui est un petit peu plus long que l'autre et ça me fait tellement de peine de le rétrécir. Donc bon, ils sont pas forcément extrêmement bien égalisés, mais bon, partez sur le principe que tout doit être de la même taille, donc on lime. Je ne sais pas si vous voyez, mais juste ici, j'ai ma lampe UV qui est prête à fonctionner. Alors, au niveau des vernis, j'en ai choisi donc 4 de différentes couleurs. Donc, il y a 2 roses, un qui est un petit peu plus haut, un qui est pastel, un corail, parce que c'est tout à fait à la mode. Et forcément, celui que je vais tester, c'est le green turquoise. Donc, il est comme ça. J'espère qu'on voit bien la caméra. Donc, en fait, c'est censé être un bleu qui va se dégrader dans le vert. Pour commencer, il faut bien que vos ongles aient été donc dégraissés, il faut vraiment qu'il n'y ait rien du tout dessus. Donc, vous pouvez passer une petite lingette de dissolvant. Et la première étape, ça va être d'appliquer donc le Clair Gel Twin Coat. Alors je vous montre tout de suite ce que c'est. Donc c'est le premier produit à appliquer donc, sur tous ces ongles. Alors je commence l'application. Alors il a l'air un peu pâteux. Donc j'applique bien le produit sur mes ongles. Ça sent la glu. Très marrant. Et une fois que c'est appliqué, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma main dans la lampe et je vais lancer le chrono pendant 2 minutes. Donc pendant 2 minutes, je laisse la main sous la lampe et j'attends. Maintenant, je prends le vernis à ongles. Alors le vernis à ongles, il faut bien l'avoir agité avant d'utiliser. Donc je vais bien le secouer. Waouh! Oh là 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 là, super beau! Alors l'odeur est assez forte quand même, je dois vous le dire. La couleur est magnifique. Alors la première couche doit être assez fine. Et rebelote, je mets la main dans la machine à UV et je laisse poser. Maintenant que j'ai fini la première couche, ça donne donc cela. Et ce que je vais faire, c'est que pour la deuxième couche, je refais exactement le même principe. Donc je le fais et puis je reviens pour vous montrer le résultat. Comme promis, le zoom, alors voilà ce que ça donne. Alors c'est vrai que moi à chaque fois je fais pas assez en fait le bord sur les côtés, mais bon, au moins vous voyez bien la couleur. Alors je suis plutôt pas mal satisfaite, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super super frais, super joli. Alors je vous avoue que normalement il aurait dû avoir un petit dégradé avec du bleu. Bon, il n'y a pas vraiment de dégradé, mais bon, la couleur reste très jolie. Alors une fois qu'on a en fait appliqué donc le vernis, pour finir la dernière étape, c'est juste qu'il faut remettre le premier vernis de base, donc c'est le gel Twin Coat, donc c'est celui-ci. Donc on en remet et puis on repasse sa main donc dans la machine pendant 2 minutes. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire avant de terminer le tuto sur ça? La première chose, c'est qu'il ne faut pas mettre beaucoup de de vernis parce que sinon ça coule, ça fait ça. Voilà, je vous montre. Donc il faut vraiment en mettre très peu. Je vais attendre que ça sèche et puis je vais tout aller retirer au dissolvant. Donc mettez vraiment une couche très très fine. Voilà, c'était, j'ai trouvé ça pour ceux qui se demandent où est-ce que j'ai trouvé ce vernis permanent. Donc je l'ai trouvé sur le site 3D Coiffure et voilà, j'ai eu envie d'essayer. Donc il n'y avait plus beaucoup de vernis au choix sur le site, mais il y en avait quand même quelques-uns que j'avais trouvé sympa, donc c'est pour ça que voilà, je voulais faire la vidéo. Et puis je me dis, c'est quand même cool parce que si ce vernis là avec une super belle couleur il dure 15 jours, je vous avoue que là, moi je fais une commande illico presto non-stop chez 3D Coiffure et puis je mettrai que ça parce que c'est vrai que les vernis au bout de 2-3 jours ça s'écaille. Donc voilà, j'ai hâte de savoir de toute façon comment ça va se passer. Là je peux pas vous le dire, hein, je viens de tester. Ce que je ferai, c'est que sous la vidéo, dans la barre d'infos, dans 15 jours ou enfin quand le vernis sera parti, je vous mettrai combien de temps il a tenu, etc, etc. Bon bah écoutez, moi je vous fais de gros gros bisous, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'ai hâte d'avoir vos petits commentaires. Et si jamais, ah oui, si jamais vous connaissiez déjà ou vous avez déjà testé ce genre de produit, eh bien n'hésitez pas à me le dire parce que c'est plutôt sympa de pouvoir échanger avec vous. Voilà, voilà, bah je vous fais des gros gros
gros bisous, je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée suivant quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très très vite pour une prochaine. Ciao ciao.